Nous voilà de retour au Plaza. Et oui, la dernière fois, c'était pour vous emmener chez Warren Tricomi, le coiffeur des stars. Et maintenant, nous arrivons chez Caudalie, le premier spa de vinothérapie dans le monde. Ils ont ouvert des spas à Paris, ils en ont un à Bordeaux, en Italie, en Espagne. Mais à New York, vous allez découvrir avec moi que le concept est typiquement new-yorkais. En France, les gens trouvent que le terme vinothérapie, c'est un peu fort. Et dans l'imagination collective, en particulier chez les hommes, quand on leur dit « nous, on fait de la vinothérapie », ils pensent qu'ils se baignent dans une barrique pleine de Smith-Solafite avec une paille. Et alors, c'est beaucoup plus que ça. Derrière ce terme vinothérapie, il y a 13 ans de recherche avec l'université de pharmacie et le professeur Joseph Vercotren et des produits extraordinaires. Ici, on peut venir avec son chéri, avec une amie, pour passer une demi-journée, pour se faire masser, pour se faire... C'est génial. ...et gommer. Ensuite, on peut prendre un bain dans notre bain barrique. Puis, on peut même avoir une dégustation de vin avec le sommelier dans son propre salon. Et puis, derrière, vous avez un hammam privatif. Effectivement, vous avez une cabine individuelle où tu vas faire soit des soins du visage avec notre gamme de produits, soit des soins du corps, des massages, des gommages, des enveloppements au miel et à la levure de vin, donc ça c'est pour hydrater et renforcer les défenses immunitaires, des enveloppements à la bentonite et au merlot, donc ça c'est pour purifier et détoxifier la peau, ou alors des enveloppements fleurs de vigne qui sont très énergisants pour te redonner du peps. Génial. Et ensuite tu vas te doucher dans ta propre cabine de douche. Alors tu noteras qu'on a pris des sarments, qu'on a mis entre deux plaques de verre pour rappeler notre univers des vignes. Et puis nos sculptures sont bien sûr ultra inspirées des cèpes tortueux et noueux de la vigne. Ça, c'est un soin qu'on fait avec deux thérapeutes. Et donc, tu as de l'eau qui te coule sur le dos et tu as une thérapeute de chaque côté. Et elles vont danser en même temps et te faire un massage parfaitement synchronisé avec la vapeur de l'eau, les arômes des huiles essentielles dans la cabine et ce massage en duo. Tu sais plus où tu habites, c'est un massage extraordinaire. Et alors, à Bordeaux, quand on a eu un chanteur très célèbre qui s'appelle Patrick Bruel, toutes les filles voulaient le masser. Pour la première fois, on a fait un massage à... 4 mains ? Non, 8 mains. C'est pas vrai. Il y avait 4 thérapeutes dans la cabine qui s'en occupaient. Mais il revient régulièrement. Il revient régulièrement depuis. Ça, c'est le croche cabernet qui a du sucre roux, des pépins de raisin, de l'huile de pépins de raisin. Du miel. En quoi les pépins de raisin sont-ils antioxydants ? La peau qui est autour du pépin de raisin a ce polyphénol qui est un des brevets de Caudalie et qui permet d'être un antioxydant sur la peau. Le miel aide à bien hydrater et nourrir la peau. Ça a un effet régénérateur. L'huile de pépins de raisin aussi est très nourrissant. Les pépins de raisin et le sucre brun sont exfoliants. En fait, ça sent très fort le miel. Hein. C'est très agréable aussi parce que c'est pas trop dur sur la peau, contrairement à ce qu'on peut imaginer avec le sucre roux. J'aimerais bien voir ce qui se passe.